Salut les petits loups, aujourd'hui je suis où? Au salon, comme vous voyez, salon des légendes, 6ème avenue à Vénissieux, salon BMW. Et regardez, par contre, nous sommes accueillis par une BMW 327. Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si elle vient directement d'Allemagne, mais de la maison mère BMW, mais elle est super belle comme ça, les petits loups. Elle est magnifique. La calandre est exceptionnelle, les gars. Et la série, elle aussi, elle est encore plus jolie. Magnifique. Si bien de profit que... Si celle-là elle est toute d'origine, ça vaut un petit pactole. Magnifique celle-là. Bien polie et tout ce que tu veux. Allez, c'est pas tout. Alors en bas, t'as en même temps de faire leur pub. Ah, regardez. Ils sont sympas, ils ont baissé la vitre. Du coup, tu peux voir l'intérieur comment c'est foutu. Super beau. Franchement, la série, elle est super belle. Bon, après, derrière. Pour t'asseoir, bon courage. Ça se trouve même pour devant, faut peut-être taille maximale, peut-être 1m80, mais avec un petit pack, avec un petit gabarit. Magnifique. Donc je disais, ils ont fait ce très beau salon. Et le plus important, ça se passe à l'étage. Donc après, BM, je vous montrerai ça au salon de Paris. Ou on va peut-être pouvoir aller ici si vous voulez. Allez, go. Eh mine, vous avez une belle vue quand vous êtes à l'étage sur pas mal de BM. Et la petite là pour les gamins. Même ça, vous savez que ça vous la tue. Après celle-là, bon. C'est la BM3 CLS Batmobile. Elle est belle. Phare jaune, donc véhicule à l'ancienne. Tu peux rouler en journée, mais pas de nuit. Enfin, je pense que oui, mais la banque peut être très très chère, les petits. Walid CLS. Magnifique. Regardez. C'est celle-là. La Batman. Est-ce que Batman s'est un peu inspiré de. Ça pour faire sa patte mobile ou si c'est eux, je sais pas. Qui lui prend un fils ? Regardez derrière. Magnifique. Elle est super belle. Tu comprends pourquoi c'est. Ah, regarde. Truc à vous montrer. Celle-là, elle aurait sans doute fait les premiers 24 heures du monde. 73 et 74. Franchement, magnifique. Magnifique. Bon, après la Batman, je vous présente la M3. Ça, c'est des voitures pilotes. Parce que conduire sur... un circuit, c'est une chose, mais conduire dehors quand tu te fais chasser, c'en est une autre. C'est pas les mêmes pilotes, c'est pas la même conduite. C'est comme la bagarre du ring et la bagarre des roues. C'est totalement différent. Regardez, ça c'est la même M3 E30. Un petit pédiré. Comme vous le voyez, magnifique. Et le plus important dedans, regardez, des roues jusque même la sellerie. Là-dedans, elle est exceptionnelle. Enfin, on peut pas la voir. Ah, à l'ancienne, les petites... ouais. Extérieurement, c'est magnifique. Alors, j'imagine pas intérieurement comment c'est caché. Bon, c'est dommage, on peut pas voir ce qu'il y a dedans, mais quand même, c'est... Ça, c'est des voitures qui ont été rendues légendaires par les braqueurs. Autrement, le reste, c'est juste des mecs qui achètent pour de la frime. Comme dans Fast and Furious, en fait. Donc, si t'as un pilote, c'est magnifique.
T'as un gars qui sait les conduire et... Magnifique CBM. Ah là 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 là, les petits loups. Pour une fois qu'ils l'ont, l'année dernière, honnêtement, il n'y avait pas autant de nouveautés. Enfin, de voitures iconiques comitives. Et là, magnifique. C'était vraiment plus de la vieille caisse, mais là. La i8. Magnifique. Regarde. Un petit bijou. Après, il faut savoir, soit tu la préfères en blanc, soit tu la préfères en noir. Ça, honnêtement, c'est bien. Roadster Drive. Là, les couleurs sont très magnifiques. Le drive. Elle est super belle. Mais quand même, malgré la beauté de DBM, elles ont du mal à passer un cap. Super belle. Ouais, ils ont mal dû passer un cap par rapport à Merco, quoi, qui est un petit peu au-dessus. C'est vrai que BM, c'est plus pour taper des chasses, taper des esquives. Enfin, pour la rapidité, c'est magnifique. Allez, juste à côté, on trouve une plus iconique et une plus jolie.